Bien, salut à tous. Pour ceux qui étaient là depuis un an, vous savez pourquoi je sors ces lunettes. Et oui, ça fait maintenant un an que je les ai. Je les avais mis pour la vidéo de 2020. Je me suis dit que peut-être les remettre pour 2021. Elle est peut-être annoncée une bonne année ou alors une mauvaise, je sais pas. À vous de juger. Mais pour l'instant, générique. Et bien, du coup, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo. Évidemment, première vidéo de 2021. En espérant que celle-ci aille dans un sens un peu meilleur que sa précédente année, alias 2020. En tout cas, alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Tout simplement, je vais vous montrer mon nouveau chez moi. Je vous l'avais promis, je vous l'avais dit. On commence 2021 ainsi. Je vous avais déjà fait, on va dire, le room tour de ma chambre avec mon studio, évidemment. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous mettez pause, vous allez voir la vidéo précédente, c'est très très simple, allez s'y retrouver. Une fois que vous avez regardé la dernière vidéo, vous pouvez revenir ici. Et là, on fait la suite, on va voir tout ça, c'est parti. Bam, ici, bien soir, on avait déjà vu ça et j'ai envie que ma vidéo soit vue, donc allez le voir si c'est pas déjà fait. Alors on sort de la chambre, je vais même pas commencer par la chambre, je vais commencer, vous allez voir tout de suite, par l'entrée évidemment qui se situe avec une porte orange, on peut pas la louper, même les aveugles ils vont la voir. Allez, on commence mal 2021. Je déconne, c'était blague, c'est de l'oumoule, on reste dans l'oumoule. Bon, vous entrez ici, qu'est-ce qui se passe? Entrez ici, il y a salon, manger ou couloir. On va commencer par la salle à manger, donc du coup on se situe vraiment tout droit. Alors ici du coup c'est là où on bouffe, et même de la, y a même des cookies. Voilà, c'était prêt, tout était prévu en fait, des cookies, voilà. Ici c'est, comme vous pouvez le voir, le meuble télé, etc. Le canapé qui va peut-être changer dans l'année. Et ici la baie vitrée, j'ai pas envie de trop montrer dehors parce que j'ai pas non plus envie de vous dire où j'habite précisément, etc. C'est pas mon but, hein, évidemment. Hop, on passe rapidement. Et puis là, il y a la, y a la cuisine. Alors, tout est dans les ordres, mais on s'en fout, d'accord. Petite cuisine, tranquillou, tranquillou. Moi, de toute façon, c'est pas mon coin préféré vu que je fais pas beaucoup. Désolé, mais c'est comme ça. Petite pièce ici, avec l'horloge. Vous entendez Paul Hésitant, allez voir Paul Hésitant, évidemment, pour ceux que c'est pas déjà fait. Voilà, petite pub. Ici, on a un deuxième frigo. Un congélateur avec le chauffe-eau, évidemment. On se met à côté du chauffe-eau et on fait chauffer. Il n'est pas coupé. Faut que j'arrête ces blagues. Faut vraiment que je m'arrête. Bon, maintenant qu'on a fait là, bon, c'était rapide, hein, vous voyez, c'est pas très compliqué. Une pièce à vivre, c'est pas. Voilà. Bon, maintenant on tourne ici, on prend ce couloir, les amis, pour cette première porte. Vous voyez. Et là, c'est la meilleure salle de toute la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien. C'est le trône. Je pouvais pas faire mieux. Il y a Game of Thrones et il y a Game Mes Toilettes. On prend cette deuxième porte. En fait, on se décale ainsi vers ici. Voilà. On vient ouvrir. C'est une pièce toute noire. Voilà, c'est bon, c'est fini. Je t'écoute. C'est une bagoutette. Ta-ta-ta ! Que la lumière soit. Waouh, c'était bien blanc. Comme vous voyez, tout ce qui est machine. Waouh. Et évidemment, miroir tôt. Bonsoir à tous. Hein, ici, moi-même pour du moi-même. Fais mal cadré, c'est ça. C'est possible, c'est possible. C'est lourd la caméra, elle est lourde. Elle est infernale, elle est lourde. Attendez, j'ai même un truc pour régler ceci. Eh bien, je crois que c'est arrangé. Vous allez voir ça tout de suite. En fait, l'année dernière, déjà, ça fait un an, je m'étais acheté un petit truc. Bon, voilà. Et sauf que le problème, je sais pas si vous allez comprendre, mais c'est que peut-être ça tremble, parce que je tremble, mais surtout, le poids n'est pas adapté. Vous me direz en commentaire s'il fallait peut-être vérifier le poids avant de... Attendez, je vais même essayer de vous placer là. On va essayer de se placer là. Ah oui, sinon le poids, j'aurais peut-être dû vérifier le poids. Je vais essayer de vous montrer tout ça. C'est de base un trépied pour caméra.
Je sais pas si vous le voyez bien. Mais en gros... En gros, il tient comme ça. C'est-à-dire qu'il tient pas, en fait. C'est peut-être plus pour téléphone que pour caméra, vraiment. Ça fait un an que je l'ai. Ça fait un an que je l'ai pas utilisé. Bienvenue dans les tutos. Oh putain de sa mère, c'est pas possible. Bon, mais vous voyez, c'est pas toujours facile la vie. Qu'est-ce qui... Pourquoi c'est... Pourquoi il tombe là? Sa vie, c'est moi le pisser. Bon, on décarpille d'ici. Bon, ici, c'est évidemment ma chambre. Ici, c'est la chambre de mon frère. Je vais pas trop montrer, on s'en fout. Du coup, ceci, c'est chambre. Voilà. Alors, on continue après parce que, évidemment, ici, il y a pour l'entrée. Et ici, on se décale. Parce qu'il y a encore un... Ça fait une sorte de... Si vous voulez, là, il y a la chambre de ma mère. Mais je ne vais pas montrer pareil. Je vous montre juste comme ça. Intimité, quand même. Voilà. On va pas se mytho que l'intimité de nos jours... Voilà, voilà où. Ici, c'est la dernière salle de cette maison. Et c'est évidemment le dépôt. Ça, c'est vraiment... Ouais, je vais appeler ça le dépôt, ouais. Le cellier, ouais. Le truc où tu mets tout ce que tu n'utilises pas. Bon, ben voilà. C'est dit, c'est fait, voilà. C'était ce sac. Oh oui, papa. Attendez, faut enlever la lumière. Voilà. C'est, j'ai posé avec le nouveau petit trépied que j'ai, que je possède. À tout moment, il va tomber et je vais vous rattraper. Hein. À tout moment, ça peut arriver. Voilà, voilà c'est ce qu'on peut dire. J'espère que j'ai bien filmé et tout, que je vous ai bien montré. En vrai, c'est sympathique. Bon, je vais vous avouer quelques trucs. Le mur derrière moi n'est pas du tout droit. C'est quand vous faites une chambre... Non, mais je le dis, attention, ça pourrait choquer. Quand vous êtes architecte... moi je pensais, vous me direz s'il y a des architectes dans les commentaires et tout, vous n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous pensez comme moi ou alors que vraiment je me suis trompé sur toute la ligne. Hein. Ça peut totalement arriver. Mais moi je pensais que les architectes quand ils faisaient des pièces de maison, enfin ils devaient faire un rectangle. Je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'un rectangle. Mais bon, à part les architectes, ou alors c'est vraiment une nouvelle mode de faire une sorte de prolonger un mur et donc une largeur. Bon, écoutez, si c'est comme ça les nouvelles règles, bon écoutez, suffit de me le dire et je comprendrai tout à fait ce qu'ils ont branlé. Je ne comprends pas comment on peut arriver à faire, non pas un rectangle, mais une sorte de trapèze, enfin, le mur s'écarte, il fait « Oh, je fuis !»« Ah, mais... » Qui es-tu pour faire un but? Voilà, je sais pas. Si vous avez une explication, expliquez-la moi. Parce que je ne comprends pas. Ou alors les maîtres. Je sais que ça existe, les maîtres avec les petites bulles comme ça. Ou ça vous fait faire des trucs droits. Peut-être qu'il faudrait qu'ils s'en achètent un. Et derrière, il y a quoi? On y a l'interphone, on entend tout. C'est... Je vous jure, ça peut arriver dans l'année que du coup vous entendiez ça pendant que je filme ou quoi que ce soit. Là, à tout moment, s'il y a quelqu'un qui arrive qui fait l'interphone, on entend. Hein. À tout moment. Donc franchement, ouais. Enculé, je vous l'avais dit. Je suis si peur parce que c'était un moment où j'étais en train de me tourner. Et j'ai eu un coup de frayeur, les amis. J'espère que ça aura donné un bon truc à la vidéo et que... Ouais, ma lunette qui tombe, évidemment. Bon, désolé pour cette petite catastrophe. C'était à prévoir, je l'avais dit. C'était qu'une question de temps, mais bon, c'était marrant. Pourquoi j'utilise pas pour mes vidéos, enfin pour mes stories ou pour des TikTok? Je suis débile. Oui, parce que j'ai un compte TikTok. Pour les vrais, je vous le mettrai en description. Pour les autres... Bah, autant que vous compreniez en fait. Un autre truc assez chiant. Je vais pas vous montrer l'extérieur. Chez vous, vous avez certainement des volets. Ça, c'est mon volet. Voilà, c'est un truc entre la prison. Et les trucs que certains avaient sur les vieilles, enfin pas les vieilles maisons, mais les maisons qui commencent un peu à dater où il faut clic et tout. Et j'ai ça, mais version 2020, version aussi prison. Moi j'ai vraiment l'impression que ça fait genre prison en fait.
Ouais, c'est assez spécial ça aussi, les volets, enfin il y a les seuls vrais, le seul plutôt, le seul et unique seul, vrai volet comme dans les maisons normales, c'est celui du salon, c'est... Je suis totalement fou là. Pourquoi on ne sait pas cela, ils ont... Peut-être qu'ils ont trouvé ça beau. Peut-être. I don't know. Mais bon, je trouve pas ça hyper beau. Ce n'est pas non plus très pratique à vrai dire. Il faut rester une minute dehors et quand il fait froid, tu te les gèles en moins de 2 minutes. En fait, tu restes bloqué dehors parce que tellement t'es congelé comme ça. En essayant de fermer. Alors le truc est congelé quand vous le touchez, là, le... quand il fait froid. C'est... Allez. Voilà, après la maison en soi est bien, hein, c'est une maison, j'énumère ce qui va pas, évidemment, mais c'est parce que j'ai envie de vous le dire, parce que c'est marrant aussi, hein, le fait d'entendre ça, c'est assez marrant. Après coup, sur le moment et tous les jours, c'est très très chiant, mais c'est assez marrant. Le volet, bon, le volet prison, bon, bah, d'accord, ok. Ouais. Après, hormis ça, vraiment, la maison reste bah, normale et tout. J'ai enfin accès à la fibre, les amis, donc... pour tout ce qui est importation et tout. Parce qu'avant, pour ceux qui ne savaient pas, j'avais pas la fibre. Je l'avais que chez mon père. Donc c'était... des fois, je passais des heures à importer des vidéos. Je passais des nuits même. Je laissais l'ordinateur allumé pour l'importation. Et le lendemain, ben, je venais finir l'importation. Et hop, je pouvais programmer et tout. Là, maintenant, pour une vidéo, ben, je mets genre 10 minutes. C'est génial. Je peux faire des lives. Que ce soit chez mon père ou chez ma mère, ça me fait plaisir. Alors qu'avant, je pouvais faire que chez mon père parce que je ne vis que là-bas. Donc, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch, les amis, parce que maintenant, je fais des lives quand je peux. Voilà, voilà, voilà. Petite information aussi en plus, comme ça, je pensais pas la faire, mais je l'ai fait. J'ai sorti une nouvelle chaîne YouTube. Elle s'appelle Rex Gaming. Elle est dans mes options de chaîne d'amis. N'hésitez pas à passer voir, à vous abonner là-bas aussi. Là-dessus, je fais que du gaming. Il n'y a pas de vidéo bien montée, etc. C'est juste du gaming. Où je fais des let's play principalement. Ou des jeux, juste Fortnite par exemple. Je peux faire du Fortnite. J'enregistre un gameplay. En gros, je le upload sur la chaîne. Et voilà, ça fait la vidéo. D'autres trucs, je compte faire un peu de Alien. Je vais découvrir ce jeu. Peut-être, pourquoi pas, du Ghostbuster. Enfin, plein de trucs comme ça, de jeux que je vais voir. Et c'est... Peut-être que je vais essayer du Among Us. À voir tout ça. Mais ça sera sur la chaîne secondaire. Bah, du coup, maintenant, on peut l'appeler Rex Gaming, les amis. Parce que je sens que sur cette chaîne, je peux pas faire de let's play et tout. Je pense que la plupart des personnes ne vont pas l'accepter ou quoi que ce soit. Mais la vidéo va être mal reçue. Elle va mettre du temps peut-être à percer ou elle passera jamais, si je puis dire. Enfin, c'est pas une question de percer, je veux dire, quand je sors une vidéo, il y a un taux de vues que je fais maintenant, bon, aux alentours, voilà, d'un certain chiffre, et quand je vois que c'est vraiment en dessous et que ça n'arrive pas à monter, je me dis, il y a un problème. Et c'est vrai que les jeux vidéo sur ma chaîne ne fonctionnent plus trop comme avant, parce que c'est quand même l'axe principal de cette chaîne que vous regardez actuellement. C'était les jeux vidéo, si vous remontez encore il y a un ou deux ans, c'était principalement jeux vidéo. Mais bon, maintenant c'est plus trop jeux vidéo, donc je préfère laisser cette chaîne là vraiment court métrage ou production ou vidéo comme ça où je travaille, où je vais faire un vrai montage derrière, et laisser les petits montages où je fais juste des coupures, où je rajoute une intro pour la chaîne secondaire, où je vais juste m'amuser, je vais prendre mon temps, je vais jouer comme j'aime jouer en fait hors caméra. Voilà, donc j'espère en tout cas que ça vous plaira, que cette vidéo vous a plu, que ces informations vous plaira et vous plairont. J'espère vraiment, n'hésitez pas à passer par voir, même juste regarder, je sais pas, vous abonner, je sais pas, ça me ferait très plaisir. Voilà, j'essaie de me diversifier, j'essaie de, voilà, je fais des petits lives en même temps en ce moment. Voilà, je développe une nouvelle chaîne, voilà, juste tout tranquillement du gameplay. En même temps, je continue sur ça là. Ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'il y a moins de vidéos sur cette chaîne que la chaîne est morte. Certainement pas. Cette chaîne restera principale. Et la seconde viendra juste compléter quand je m'amuse tout seul. Voilà, ou entre amis. Ça peut arriver aussi. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous dis
à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et bonne chance pour 2021. Surtout, bonne année. Et prenez soin de vous et de votre famille, surtout en temps de Covid. C'est vraiment le plus important. N'hésitez pas à liker, à partager. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.